Generally, I thought they were all fantastic. A really wide range of kind of ideas and concepts. J'ai trouvé les mises en scène et les montages très bien maîtrisés. La qualité de l'image et le niveau des images grandit d'année en année. Je vois la barre qui chaque année est plus haute avec une vraie volonté d'aller dans deux domaines qui sont importants pour nos professions, c'est le domaine de l'animation et le domaine des effets spéciaux. Nous, on est très attentifs aussi au travail de la 3D et d'avoir des étudiants comme ça qui se passionnent pour ce média. C'était vraiment de grande qualité cette année et on voyait vraiment des films qui avaient une forme de cohérence et beaucoup d'investissement, beaucoup d'envie. Et c'est ça qu'on cherche quand même des candidats pour nous rejoindre. Mon film préféré, mon gros coup de cœur, c'est quand même Wakan, à cause de l'homogénéité du film, l'ambiance, la musique, les couleurs, le côté un peu poétique. That was beautiful. I really liked the groom on the hair on the main character, and I thought the effects for the light orb and the trail and stuff, that was really cool. I like bits from each one. I really liked It's a Bird Thing. I loved the sort of the character work in there, and I liked the style of some of the camera moves that you had going on in that shot. I like some of the VFX work was brilliant as well in The Wanderer. That was brilliant, some of the foliage going through there and that was really well done. So yeah, there's a real mix in there. Moi, mon coup de cœur, c'est Creature from the Lake parce que ça rejoint exactement ce que l'on aime. Un très bon découpage, un design qui est vraiment au service de l'histoire, un gros travail sur la bande-son, le rendu est parfait et vraiment la mise en scène me permet de mettre en place un film qui fonctionne du début à la fin avec une vraie chute, avec des vrais événements qui sont à l'intérieur du film. Après, j'ai beaucoup aimé le tout dernier, Oculus Malus, qui m'a fait beaucoup rire et que j'ai trouvé très très sympa, avec des petites bêtes qu'on voit pas et qui en fait sont là pour nous embêter dans la vie de tous les jours. Alors venir au jury d'Isart Digital, c'est chaque année un événement important parce que ça nous permet de voir le nouveau cru de l'école, en sachant que c'est une façon de rencontrer les étudiants à travers leurs films, à travers toute l'énergie qu'ils ont passée dans cette œuvre, dans ce court-métrage, où ils dévoilent non seulement donc un film, mais aussi leur capacité à nous rejoindre, parce qu'on voit énormément de savoir-faire, de qualité à travers ces films. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents, et on apprécie énormément ces écoles qui font un gros travail à la fois technique et artistique. Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve chez Isart Digital. We really like being involved in the juries of schools, it helps us get to know the students a bit more and also you know, understand what they're interested in doing in the future. Isart Digital, c'est assez formidable parce que c'est le type même d'école qui lie à la fois un vrai souci professionnel, et on le sent bien quand on discute avec les étudiants, les profs, l'encadrement, un vrai esprit de convivialité. Par le fait de l'alternance, cette école soit en alternance, ça nous permet d'avoir des gens qui nous rejoignent plus tôt, qui font leurs premières armes en fait dans les studios, dans la vie professionnelle avec nous, et dès la sortie de l'école, après d'essayer de leur proposer des postes avec nous. Ça a l'air de toucher un petit peu à tout, il y a vraiment l'air d'avoir une formation assez technique sur la partie aussi prise de vue réelle, sur tout ce qui est pipeline, comment on met en place une production. You can see the passion and the immense amount of effort that's gone into all of the projects, and I think it really shows when the students are talking about their work as well.